Bienvenue au carrefour du savoir. La recherche est une boussole. Boussole. La recherche est une boussole. Boussole. La recherche est une boussole. Boussole. Question. 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 Réponse. Vous êtes bien de la réponse parce que vous êtes au commandement. Mais qu'est-ce qu'une recherche? Qu'est-ce qu'un chercheur? Les chercheurs sont des explorateurs. Pour les porteurs de désir, des malades. Des capitaines qui ne vont pas encore l'avenir de l'université. De la chose universitaire, il trouvait une place et laissait quelques bouts d'idéologie. Ah oui, être chercheur, c'est se réveiller à 4h du matin pour mener une réflexion sur nos travaux, pendant que le ministre et sa femme sont en plein missionnaire. Ah, à chacun sa mission. Professeur Koudjo, bienvenue de l'université d'Abomey-Calavi. Qui sont, si vous voulez, les précurseurs de ce que nous sommes et ce qui est devenu et ce que nous devenons. Et ça, c'était à l'Université du Ghana, au sein du département de français. Et à partir de là, nous avons pu organiser de 2015 à 2018 une série d'activités scientifiques. Et en 2019, nous étions en fin de compte, à la première édition de ce que nous avons baptisé et appelé le Congrès mondial des chercheurs et des experts francophones. Et puis, maintenant, en 2023, nous voici au troisième Congrès mondial des chercheurs francophones. L'histoire de la CAREF, c'est aussi la présence et l'adhésion massive de l'ensemble des chercheurs francophones. Francophone et francophile, puisqu'en fin de compte, même si c'est une académie de recherche, d'études et d'études francophones, etc., nous avons remarqué un engouement de la part de nos collègues du monde anglophone, notamment du Ghana, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, et j'en passe. Donc, francophile et francophone. À cette troisième édition, il est question de revenir sur un sujet. Et le sujet central de notre aventure en 2023, c'est l'université, l'universitaire et la société. Quelles influences mutuelles, quels réels impacts? On s'est rendu compte qu'en réalité, il y a un problème. Parce que je sais qu'ailleurs, et vous le savez beaucoup plus que moi, lorsqu'il y a une crise en lien avec la santé, les spécialistes de la santé se mobilisent pour trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut former un étudiant en médecine ou en agriculture, en médecine, alors que l'Afrique continue de souffrir du paludisme et nos étudiants formés chez nous ont du mal aussi à intervenir d'une manière ou d'une autre pour agir sur le paludisme. Oui, cher ami, et je voudrais ici exprimer ma joie d'être non point parmi vous, mais parmi nous, puisque de manière directe ou indirecte, je suis associé à ce congrès mondial des chercheurs francophones. Je suis heureux donc de prendre part à ce troisième congrès mondial des chercheurs francophones qui porte sur le thème l'universitaire et la société d'aujourd'hui, quelle influence mutuelle et quels impacts. Alors, ce congrès décrit comme étant itinérant et qui va mettre ensemble des personnalités du monde académique venues de divers horizons à ceux résidant à l'université de Lomé,
à ceux résidant aux universités d'Abomey-Calavi et de Parakou, et nous le percevons comme une manifestation scientifique d'envergure, et mais particulièrement originale. Originale dans l'espace francophone, d'abord par la pertinence du thème, puisqu'il met désormais l'universitaire devant ses responsabilités face aux besoins réels au sein de la société, puisqu'il nous permet de croiser théorie et pratique sociale, mais aussi il nous permettra de découvrir, apprendre, découvrir c'est aussi connaître, voyager c'est apprendre, et on ne peut pas faire de la recherche sans apprendre. Voilà pourquoi nous pensons que naturellement il faut un nouvel éveil dans le monde francophone, dans le monde des chercheurs francophones, trop enfermés dans leur laboratoire, dans leur théorie, loin des réalités, dans le monde socio-culturel de son respect. Donc Dieu reconnaît je suis content de cette possibilité de revoir un peu les fondements de notre recherche pour ne pas perdre nos énergies. Mais Dieu, salut. Je suis professeur Amara Pouyvali, professeur titulaire de lettres. Je voudrais d'abord dire merci au comité d'organisation qui a bien voulu porter son choix sur une mauvaise personne. En effet, je suis venu moi-même présenter une communication qui parle du rapport entre l'universitaire et la société. Et j'ai été désigné comme responsable scientifique, excusez-moi, du thème président du comité scientifique du colloque. Je voudrais dire merci au comité d'organisation, dire merci au président de l'université et à tous les participants pour l'honneur qui m'a été ainsi fait. Devant l'intitulé « L'université, l'universitaire et la société », en réalité, nous voulons établir un pont. Bien sûr, parfois nous donnons un exemple qui paraît banal. C'est l'exemple simple du fusil. Le fusil est une fabrication, on va dire, de la société, mais c'est toujours les universitaires. Mais on n'a pas fabriqué le fusil dans l'intention de tuer, mais c'est son utilisation qui a été mal opérée. Ici, durant ces quelques jours, nous voulons vraiment réfléchir à ce que l'universitaire peut apporter de positif, parce qu'en matière de science, les penseurs le disent, si votre science n'ajoute rien à l'humanité, elle n'est pas une science. Merci, je vous remercie d'être présent à ce rendez-vous, troisième édition du Congrès mondial des chercheurs francophones. C'est un rendez-vous des universitaires, mais aussi des experts de la société civile en général, pour parler des relations entre l'université et la société. En quoi l'université et les recherches universitaires impactent nos sociétés, c'est de ça qu'il va s'agir. Oui, pour ne pas avoir la langue de bois en tant que chercheur universitaire, nous avons, en tout cas pour ce qui concerne la CAREF, l'Académie africaine de recherche, d'études et d'expertise francophone, nous avons senti qu'il y a une déconnexion, sinon une rupture entre la recherche universitaire scientifique et la réalité au sein de nos sociétés. C'est pour ça que justement, nous nous sentons interpellés par rapport à ce sujet. Trois lieux, parce que nous avons déjà pris l'habitude de rester dans un même cadre. Nous avons commencé la première édition, c'était à l'université de Legon à Accra. La deuxième édition à l'université de Parakou. Et cette fois-ci, nous sommes dit, c'est une bonne occasion pour le chercheur de quitter un peu le monde universitaire, au lieu qu'on soit entre les quatre murs d'une université. Le trajet entre Lomé et Cotonou, c'est aussi un moment pour nous de nous frotter avec la société, les gens de la frontière, les gens qui vendent, les ambulants, etc., les conducteurs. En tout cas pour nous, ce trajet nous permet de nous plonger dans les réalités, puisque justement, pendant le trajet, il y aura des pauses pour découvrir ci, découvrir ça, échanger avec la société.